quoi là, salut, ça va? Il vient de s'incruster. Je comprends pourquoi l'école d'humour t'a refusé. Ah ouais? Pourquoi? Parce que je suis pas drôle. Parce que tu es très trop... mauvaise. Eh, maman, démarre, démarre. Ouais, bah oui, bien sûr, mais. C'est un mobile, Hello Fun! Yo tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Ça va super! Et vous la famille? On espère que vous allez bien aussi! Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? 24 heures dans un chariot. Ça pourrait être ça, hein? C'est confortable? Oui, c'est confortable, hein, écoute. Qu'est-ce que tu fais en réalité? Et la chasse aux fournisseurs scolaires! Le grand moment que tout le monde attend chaque année. Et du coup, je repasse en moyenne section. Voilà. C'est ça? Non, je passe en cinquième! Waouh! Déjà la cinquième, c'est la folie. Mais il y a quelque chose d'important en cinquième. Y'a pas une deuxième langue? Ah oui, c'est vrai, j'ai une deuxième langue à apprendre et j'ai déjà choisi. J'ai choisi l'espagnol. Oh, comme c'est étonnant, comme original. Ton frère. Original, voilà. Bon, du coup, on a déjà reçu ta liste de fournitures. T'es prêt pour ça? Oui. Alors, je te propose, mais ensuite, c'est toi qui dispose. Est-ce que tu veux qu'on fasse comme les autres années, c'est-à-dire que je te lis la liste et toi, ensuite, tu choisis dans les rayons? Ok, moi, je veux bien. Je te pousse aussi ou? Oui, bah. Allez, donc. On va partir à la Swan Mobile. Allez, on est parti avec la Swan Mobile, let's go. La Swan Mobile. Oh là, aïe. Attention, c'est pris un panier. Ah, désolé, hein. Une seule main, plus le téléphone. Je ne garantis pas la sécurité du trajet, hein. Qu'est-ce qu'il fait? J'étais en train de déranger. Attends, mais c'est des bonbons. Non, mais je suis en train de déranger. J'ai fait tomber, en fait, et là, je suis en train de les ranger. Quel rapport avec la chasse aux fournitures scolaires? Non, mais je n'étais pas en train de les manger, quand même. Swan, tu me crois? Ça commence bien. T'es d'accord, Swan? Moi, je crois que t'es un gros mangeur de bonbons. Je crois. Waouh, j'ai tombé. Swan? Pourquoi t'as pris tous les bonbons? T'es sérieux, là? Et l'autre, tu m'as dit que tu en avais besoin pour les fournitures. Mais de quoi? Non, je t'ai pas dit ça. Mais non, je t'ai fait tomber, t'as pas vu? Swan, mais qu'est-ce que c'est que tous ces bonbons là? Alors, ouais, t'as pas honte? Sérieux, oh, c'est pas du tout ce qu'on avait dit. C'est manque de sérieux, hein. Bon, t'es prêt, loulou? Ouais. Alors, on repart, attention. Ouais. Merci, un bonbon. Oh, tiens, regarde. C'est qui ces inconnus, hein? Je sais pas, qui c'est ça? Ils me disent vaguement quelque chose. Attends, Swan et Néo Donuts. Et Néo Donuts. Ah, forcément, il y a le nouvel agenda Swan et Néo. 2022-2023. Avec le cahier texte, bien sûr, assorti aussi. Je sais même pas si on les a montrés de près. On leur montre? Bah oui, évidemment. Alors, comment il est cette année? Bah, il est super, comme d'habitude. D'accord. Sans me vanter, c'est ça? Oui, voilà, voilà, sans me vanter. D'accord. Il y a aussi, surtout, plein de nouveautés. Il y a des cases de BD super marrantes. Ah oui, il y a des BD supplémentaires, c'est vrai. Ouais, voilà. Des petits gags en plus. Il y a aussi, attends, faut que j'en trouve une. Évidemment, il y a des petites images, voilà. Et il y a des FAQ. Ouais. Surtout. Et surtout, il y a des nouveaux stickers. Ah, voilà, ça c'est ta partie préférée sans doute. Il y a aussi des nouveaux jeux, je crois. Ouais, voilà. Et surtout, plein de nouveaux trucs. Voilà, c'est un super agenda. Est-ce que c'est celui que tu vas prendre cette année encore? Bah, en vrai, je pense que oui, hein. En vrai, je pense que oui. Bah, c'est mon agenda, du coup, voilà quoi. Il y en a beaucoup qui nous demandent, justement, ça fait comment au collège quand tu viens avec ton propre agenda? C'est comme si je me tenais dans ma main. C'est un peu bizarre. J'ai vu même que tu avais dessiné des moustache cette année sur Néo à certains moments. Non, mais ça c'était pas fait exprès, j'ai seulement bu, écoute. Voilà, bien sûr, on va dire ça. Donc du coup, bah l'agenda c'est fait, voilà. Le coffret... Qu'est-ce que tu fais toi? Bonjour. Au secours. Achetez cet agenda, il est génial. Tiens, j'ai besoin qu'un agenda. Prends des agendas, ça me prend des agendas. Non, toi aussi tu les achètes. Ouais, évidemment que je vais en prendre un. Du coup, ça c'est pour les goûters, le petit mug et le livre de recettes. L'agenda pour les devoirs, oui. L'effort, le mug avec le goûter, le réconfort. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, Swan Mobile, repart en action. On avance. À épreuve des parcours. Ah, il y a quelqu'un d'autre aussi, regarde. C'est pas ma trombine, ça? C'est qui ça? Et c'est sûrement incrusté ici. C'est ça, on sait pas qui c'est cette dame là. C'est bizarre, non? Elle ressemble pas mal quand même, non? Elle ressemble un petit peu, ouais, vaguement, c'est vrai. Bon, ça c'est le coffret papeterie, bien sûr. Trop mignon, avec plein de paillettes. Oh là là, trop joli. Tu prends pas mon coffret papeterie? Bah c'est que... Bah si j'étais une fille, j'aurais pris, hein. Les garçons aussi ont droit aux paillettes, hein. C'est juste une histoire de goût. Swan Mobile de retour. Changement de sujet, ok, j'ai bien compris. Alors, par quoi veux-tu commencer? Parce que pour l'instant t'as l'agenda, mais ouais. C'est tout. On va pas aller bien loin. On commence par quoi? Les stylos. Les stylos qui sont derrière toi? Ouais. Et bah allez, c'est parti. Donc il te faut des stylos de toutes les couleurs. Tu reprends les frictions ou tu veux changer? Bah ceux-là, je trouve qu'ils sont très bien, hein. Attends, en fait, tu vas faire toute ta chasse aux fournitures scolaires poussée dans un chariot, quoi. Peut-être. Ben je vois. Et pour le plaisir... Je vais prendre un petit stylo rose. Ah, voilà. Quand même. Pas de paillettes, mais quand même un stylo rose. Voilà, ça va. Pour faire plaisir. Pour faire plaisir, j'aime bien. On va peut-être prendre des recharges aussi. Je sais que d'habitude, peut-être. Ils ont les recharges pour les frictions. Oui, c'est vrai. Les recharges sont là. Hop, comme ça. Donc, les bleus, forcément. Les verts. Les verts, t'en passes autant que ça? Prends peut-être un pack comme ça plutôt. Regarde. Deux multi. Alors, deux packs multicouleurs et un pack bleu. Les stylos, c'est bon? Oui, voilà. Et il y a les gommes et les crayons juste ici. Alors, hop. La Swan Mobile. Hop là. Oh, l'action!
Alors, voyons voir. Celui-là, c'est pas la même que j'ai prise l'année dernière. C'est juste la couleur qui change. Parce que ouais, sinon. Ouais. D'ailleurs, je préfère en vert. Donc, c'est toujours la même gomme, il y a juste la couleur qui a changé. T'as des goûts quand même qui se ressemblent un peu d'une année sur l'autre. Voilà. Et en dessous, t'as les tailles crayons. Qu'est-ce que tu prends cette année? Avec un réservoir? Oui, bah, évidemment. Évidemment. Oh, il y a les petits lapins, tu te souviens de cela? Ah oui! Si je vais en prendre un vert. Trop mignon. Tu veux encore un lapin ou tu veux autre chose? Parce qu'il y a plein d'autres choses. Hein. Tu veux encore un lapin? Les lapins, c'était vraiment cool. Hein. Comme ça? Sympa comme ça. Ouais, comme ça, je change de couleur chaque année. Le gros changement. La même gomme et le même lapin, mais juste les couleurs qui changent. D'accord. C'est un changement, d'accord. Ok, d'accord. C'est validé. Très bien. Là, il y a les surligneurs aussi. Alors. Les plus hauts. Soit tu prends des grands comme ça, soit tu as les frictions aussi ici. Moi, je mets pas trop les frictions. T'aimais pas trop? Je vais prendre ça. Alors. Un orange pour plaisir. Ça, c'est tes couleurs préférées en fait, là, que t'es en train de prendre. Et je vais prendre un jaune. Voilà. Le bleu et l'orange, ils sont pour plaisir. Eux les principaux en vrai. Ok. Ah mais regarde, il y a ceux-là aussi. Ah, c'est des pop-corn. Ouais, moi ce que je préfère c'est ceux-là. C'est des petits mignons comme ça. Attends, je viens de remarquer, il y a des stylos roses. Ah mais c'est des frictions aussi. Ah oui. Ah ils sont pas tout à fait pareils. Ils sont plus violets en fait. Ils sont mauves. Ouais. T'en prends aussi? Non. Ouais. Ah finalement non. Qu'elles soient mobiles. Alors attends. Toujours en action. Oh, j'en ai pas marre de dire cette phrase. Alors est-ce que tu veux prendre ton sac maintenant ou à la fin? À la fin. À la fin? Ouais ouais. Petite cerise sur le gâteau. Est-ce que tu veux prendre la trousse maintenant? Oui, on t'offre. Oh, regarde qui voit alors. Svan et Sneo. Svan et Sneo. Mais oui, vous êtes là effectivement. Et vous êtes là aussi. Hein. Ah oui, ouais. C'est la trousse Sweo. Bon, alors c'est pour rire. Hein. Les trousses Sweo, elles sont uniquement sur sweoshop.com. Oui, alors. Pour cette année, effectivement, uniquement sur sweoshop.com. On verra l'année prochaine. Peut-être qu'elles seront aussi dans les magasins. Même si elles sont que sur sweoshop.com, je prends celle-là. Allez, alors, du adopté. Coup, comme deuxième trousse, je prends quoi? Parce que de toute façon, Swan y prend toujours deux trousses. Il en prend une aussi pour tout ce qui va être crayon de couleur et feutre. Ma trousse, oh non! Oh non! Ah, c'est marrant! Vas-y, ça va me faire deux trousses. On adopte Fanta? Ouais, voilà. On tourne. Ah, les ciseaux! Ah, les ciseaux! Ah, regarde, tout ça, c'est pour les gauchers! Excellent! Ah, oui. Regarde! Consacré aux gauchers! Ah, ouais, c'est génial ça! Ah, d'accord, ok. Donc, ça, c'est à partir de 12 ans, mais en fait, vu que t'es en 5ème, t'y as droit. Hein. Alors, lequel moi, tu veux? Je vais prendre celui-là, qui ressemble beaucoup à celui que j'avais pris l'année dernière. Mais ça, c'est à partir de 4 ans, c'est pour les tout petits, Swan. T'es là, toi? Alors, je vais prendre celui-là, alors qu'il ressemble aussi beaucoup à celui que j'ai pris l'année dernière. Dis donc, je crois qu'on a beaucoup de verre cette année. C'est ouais, ta ouais, couleur, c'est verts, ça? Hein, bah, chaque année, je prends une nouvelle couleur. Hein. Cette année, c'est en vert. Règle. Oh, regarde ça, c'est quoi? C'est des surligneurs pailletés. Ah Sophie, calme-toi. Les règles. Je vais sûrement prendre celle-là parce qu'elle est un petit peu arc-en-ciel. Et surtout, ouais. Elle est flexible. Il t'est demandé dans ta liste une règle 20 cm. Donc... 130 cm. Bah non, 30 cm. 130 cm. C'est la règle géante. Je me suis emportée, d'accord. C'est 20 cm. Elles sont incassables, mais... Oui. Elles ne sont pas imperdables. Oui, voilà, c'est sûr. Voilà, hein, parce qu'il me semble bien que cette année, il y en a une un petit peu égarée. Alors, une équerre, et il te faut aussi un rapporteur, c'est indiqué sur ta liste. Bah, c'est là, ici, hein. Soit en métal, soit t'as comme ça, l'incassable aussi. Ça, c'est super sympa. Ah, les couleurs, ça te plaît? Moi, j'aime bien. Hein. T'as vu, c'est la gamme Nightfall. Ah, d'accord. C'est peut-être boîte de nuit. Nightfall, c'est coucher de nuit. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, on va prendre un deuxième kit. Bon, d'accord, hein. C'est juste que je te connais un peu, quoi, voilà. Ouais. Ouais. Alors maintenant, c'est les crayons à papier. Alors les crayons à papier, la prof d'art demande aussi que tu prennes toute la gamme des crayons à papier. Tu sais, les 2H, HB, 2B. C'est quoi ce truc? C'est le truc, chaque année on se demande d'ailleurs à quoi ça sert, mais il paraît qu'il faut les prendre. T'as 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, 3H, 4H. Oui, il y a tout. Elle a demandé précisément de H à B incluant HB. On est bien avancé avec ça, tiens. H, donc, c'est celui qui a le bleu, voilà. Ici. Et H, B, B, il est là. Ouais. Tu le vois, B. Non, t'as... Ah si, si, c'est bon, pardon, tant pour moi. T'as pris ça, B. Ça, c'est crayon 2H. Non, mais elle dit de H à B, donc ça suffit, non? L'énigme des crayons papier. Ouais, bon, ouais, c'est bon, voilà, c'est bon. On en est. C'est bon, là? Oui, c'est bon. Okay. Alors maintenant, malheureusement, Sonobi va rendre l'âme. Parce que ce chariot est beaucoup trop petit, sérieux. Ça y est, tu te décides à marcher? Ouais, et comment? Elle a plus d'essence, c'est tout. Elle a plus d'essence. C'est toi qui vas la pousser maintenant, alors, hein? Ça... Ah, mais ça m'arrange bien. C'est mieux pour mon dos. La colle. Ah oui, c'est vrai, on l'a pas pris. Ça, on a pas pris. Ah bah, regarde, elle est juste là, la colle. Ah bah, voilà. Est-ce que t'as besoin de scotch? Ça peut peut-être me servir. Dans la trousse, le mieux, c'est d'en prendre un qui est déjà en. Ah, ça, c'est bien. En dérouleur. Le Magic, ouais, il est hyper pratique. Et là, du coup, il y a le choix des tubes de colle, hein, écoute. Ah ouais, c'est les Toons cette année. Les Looney Tunes. Bon, je vais prendre ça, écoute. C'est Bip Bip avec le coyote. Ah ouais. Ah ouais. Mais voilà.
Donc la colle c'est bon. Ok, du coup c'est où maintenant? Alors là on fait l'art plastique. Je pense qu'il va te falloir des crayons de couleur et des feutres, non? Il me faut déjà des feutres, donc ça sera bien. Ouais, la pochette un peu classique, ouais d'accord, vas-y. Crayons de couleur, bah ça c'est bien. 18. Et donc avec tout ça? Ouais, normalement ça devrait aller. Oh bah oui, là j'en perds bon, 17. Oui, bien sûr. Ah, il faut pas un paillet de couleur aussi? Une palette, si. Bah, alors là, juste là, on attaque l'art plastique et là on va s'amuser là. L'art plastique extrême, ouais. Comme chaque année, c'est là qu'on nous demande le plus de choses, et comme chaque année, c'est là que tu utilises le moins de choses en cours d'année. Oui, ouais, on te demande en art les tubes de peinture acrylique, plusieurs couleurs, dont noir et blanc. Alors, c'est où les tubes de peinture? Ça, c'est la gouache, mais là, elle demande de la peinture acrylique. Much later. Bon, bah, on n'a pas trouvé. Pour moi, on passe au truc suivant. Hein. Tant pis, on nous demande des brosses, donc des pinceaux, oui, petits, moyens et grands, avec une pointe ronde. Je vois pas comment. C'est ça. Avec les pointes rondes, ouais, c'est ça. Direction Chernobyl. Ça, c'est bon. On a trouvé. Ensuite, on nous demande des pastels. Alors, ça va être où, ça? Much later. Tu nous fais une danse, finalement? La danse de la rentrée des classes. Bon, bah, on n'a pas trouvé, finalement. Il te faut un carnet de croquis A4. Sans spirale. C'est quoi ça? C'est ça, les carnets de croquis, ils sont là. C'est des blocs à dessin, en fait. C'est la même chose, ouais. Alors, du coup, c'est A4. A4 et sans spirale. Donc, regarde voir ça, est-ce qu'il y a des spirales ou pas. Ah, il n'y a pas de spirale. C'est bien A4? Oui. Ça te va en vert? Oui, ça me va, hein. C'est bon, cahier de croquis, on a trouvé. Toujours pour l'art plastique, il faut une chemise A3. Donc, A3, c'est le plus grand format. C'est bon? Oh, ça devrait aller. Allez, avec ça, t'es équipé. Attends, je me prête à faire un acte héroïque. Un acte héroïque? Pourquoi tu m'arrêtes? Je sais pas, j'ai juste envie d'arrêter quelqu'un. D'accord, bon soin de toi, t'as gagné l'infini? Je peux pas dire ça parce qu'il y a beaucoup de trucs à emmener. Parce que qui le premier qui va gagner et qui va te terminer? Bon, en tout cas, c'est moi. Quand même, on vient de commencer, on est dans le mal, il faut vite qu'on se dépêche. Attends, tu viens de commencer, t'as que la Non, rien. T'as que ça, toi? Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est parce que j'y crois. T'es en train de prendre mon coffret. Oh oui. C'est mignon. Voilà, c'est pour la petite amie, etc. Pour l'ami. Pour la petite amie, pour l'ami. L'ami. On la rattrape aux branches. Comme si j'en avais une de petite amie, sérieux. Hello, darkness, my old friend. Swan, regarde. Là. Les cahiers de vacances. Hop, c'est censuré. Désolé. C'est ton bonheur. Ouais, sérieux. Dans les généralités, il va nous manquer une chemise, mais on va la prendre à la fin. Je pense une chemise avec des élastiques. Attention de ne pas tomber. Ah, c'est là les chemises, regarde. On doit la prendre maintenant. Les chemises avec les élastiques. Ça me rappelle Squeezie. C'est notre ton coq. Ah oui, je pensais que tu parlais du youtubeur. Je valais pas bien le rapport non, quand même. Non. Un de nos deux coqs. Tu prends ça? Ouais. Ok. Yeah. Tchoum. Matière par matière. Je sais pas pourquoi on commence direct par l'espagnol. Il ou elle demande un cahier A4. Donc les cahiers, ils sont là. Et regarde, ça ce sont des cahiers recyclés. Oh. Super, hein? Bah oui, hein, je vais en prendre un. C'est bizarre ça, on dirait qu'en fait il n'y a pas de truc pour protéger les feuilles. On dirait qu'il n'y a pas de protège-cahier, mais si, il y en a un, il est transparent. Alors, du coup, pour l'espagnol, quelle couleur tu prends? Je vais prendre le vert sans aucune raison. D'accord. C'est la couleur de l'espoir. Ouais. L'espoir que tu vas maîtriser l'espagnol en peu de temps. Oui, espoir. Pour l'histoire, il faut des feuilles. Ah, des feuilles. Il y en a là du coup. On prend aussi des recyclés. Alors. Ok, bah copie double, c'est bon. Copie double, c'est bon. Il te faut aussi des feuillets simples. Non, mais prends pas là-haut. Tu peux les prendre là, regarde, tu peux prendre ceux-là par exemple. D'accord, bah je prends ça. Oui, 200 pages. Ah, mais attends, regarde, elles sont en simple, en recyclé. C'est mieux. Ah, bah voilà. Hop, on va les prendre comme ça. Feuilles simples. Feuilles simples. Bon, on les prend comme ça finalement. On va reposer les autres. Pour l'anglais, on te demande de nouveau des feuilles. Donc les feuilles, on les a. Et on te demande aussi un classeur et des intercalaires. T'as encore perdu le crayon papier. Le pauvre crayon papier, je sais pas si on va arriver à le garder jusqu'à la fin. Mais il fait Superstar, écoute. Les classeurs, c'est là. Alors, il y en a ici. Couleur, basique. Oh, il y a Original Stormtrooper. Il y en a avoir un Star Wars. Oh, Coca-Cola. Alors, lequel tu veux? Je vais prendre celui-là. Hein. Alors, dites-moi si vous avez la ref. Coca-Cola et Spuma. Si vous avez la ref, likez cette vidéo. Ah, moi, j'ai pas du tout la ref, mais je pense que vous l'aurez. Voilà, très bien. Alors, vas-y, un autre classeur. Pour la géographie. Oui, géographie, cette fois. Je vais prendre ça, parce que ça ressemble un petit peu aux arc-en-ciel. Oh, c'est mignon. C'est une belle idée. Attention de ne pas te faire assommer. Tu veux voir l'arc-en-ciel? Oh, c'est vrai que c'est joli, hein. Alors, le classeur arc-en-ciel, c'est adopté. C'est où les intercalaires? Attends, on a dû passer devant. Ça y est, on est perdu. Je crois que j'ai trouvé. Là, il y a des pochettes perforées.
Ça y est, c'est là. Les intercalaires et les pochettes, faut prendre les deux. En général, il y a pas besoin d'en prendre beaucoup, des lots de 6, ça suffit, non? Je te laisse faire. Il t'en faut donc deux. Il y a deux matières différentes. Alors, c'est A4? Oui, c'est voilà. Bon, t'as trouvé? Non, non, il y en a 3. Allez, super. Voilà. Du coup, on a trouvé l'anglais et la géo. Ok. Alors, en français, pareil. Classeur intercalaire. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de faire une petite danse avec le chariot. D'accord. Alors, vas-y, tu peux reprendre encore un intercalaire. Ouais, tu peux reprendre aussi un classeur, donc dans l'ordre que tu veux. Alors, ça, c'est très joli. T'aimes bien aussi? J'aime bien. Ça, c'est souple. Ça. Ça te va aussi? Ouais, on voit mes mains. Il faut encore des intercalaires. Les machins. Les schrobachnuf. C'était par où? C'était là. J'étais distrait, d'accord. C'est ça, on va dire ça. Deux à quatre. Des pochettes. Ouais. Des pochettes perforées. Alors, faut prendre surtout des pochettes solides. Peut-être qu'ils ont des lots là. Tu adoptes des pochettes perforées? Bah oui, hein. Allez. Combien? Bon, un paquet, ça suffira. Je dois faire l'année avec ça. Ensuite. Ding. Ensuite, nous avons les mathématiques. Ouais. Alors, ils demandent une calculatrice. C'est la Casio FX82 SPX2. On dirait pas trop les robots de Star Wars. Après, ça va être la calculatrice. Je trouve que je change un genre. Elle est encore en état, celle de l'an dernier? Bah, normalement, oui, hein, j'ai pas cassé. Peut-être que si, hein. Non. Il te faut un nouveau cahier. Tiens, c'était là, les cahiers. Là. Attends. Hop, alors, par contre, là, attends, c'est pas les mêmes qu'il faut prendre. Du coup, on va pas les prendre là parce qu'il te faut. Non! Ah, qu'est-ce qu'on a fait tomber? Encore le fameux crayon. Il s'échappe tout le temps. Les cahiers, il y a un choix énorme. Sauf que là, il te faut un A4 avec des petits carreaux pour les maths, pour la géométrie, ton grand bonheur. Et c'est à petits carreaux. Oui. Bleu, ça te va? T'as pas pris bleu pour l'instant en cahier? Non, mais c'est pas vrai ce crayon. Oh, pour l'instant, t'as pas pris bleu? Je crois pas. Non, t'as pris juste en classeur. Tu vas pas te mélanger les pinceaux avec le classeur? Non, c'est bon. Ok. Ensuite, il te faut un compas. Néo-Zorus, c'est juste ici normalement. Néo-Zorus. Wow. Qu'est-ce que t'en penses de mon style là? Ça rend bien, non? Encore plus ridicule que d'habitude. Je suis ridicule d'habitude. Mais pourquoi tu prends plusieurs cartes à bleu? J'ai beaucoup de trucs à prendre. Comment tu vas en prendre, je sais pas, 4? Chaque cahier égale un sac. Ils sont légers comme ça, les sacs. Tu peux emporter des sacs. Rappelle-moi, tu rentres en quelle classe? Terminale. Terminale, ouais. Bah, en vrai, c'est bien. Bah, si ça s'arrange d'année en année en fait. Un peu sérieux. Un peu sérieux, par pitié. Oh, il est trop chou celui-là. Attends, moi je veux celui-là. Tu es en terminale. On a fini en 5 minutes là. Je sais pas ce que vous fabriquez, hein. Bien vu dans son. Non, mais j'y crois pas. Alors, Swan, il te faut encore un cahier. Super, super. Tant qu'on est dedans, là. Tiens, on va repartir en recycler. Mip, mip. Non, mais le crayon. Mais c'est bien, bien. Et c'est toujours le même. Non, mais c'est un sketch. Mais mets-le différemment. C'est pour ça qu'il tombe. Je ne mettrai pas en sécurité. Comme ça. Mais il va tomber en seconde. On va voir. Donc là, on a dit encore un cahier. Là-bas. Ouais. Cette fois-ci, je prends le rouge. T'avais pas pris rouge pour l'instant? Non. Alors, rouge, ça sera pour les sciences. Il nous manque le compas. On n'a pas pris le compas. On a dû rater le coche. Non, mais c'est pas le même. Hein. Ah, c'est un autre, tu vois, c'est pas le crayon. Maintenant, c'est tour du rose. Non, c'est une blague. Non, mais garde-la la main sinon, non? Ça s'échappe plus, hein. Voilà. Two very boring minutes later. Ils sont là, les compas, voilà. Ah ouais, bah celui-là, il est parfait. Ouais, c'est bien. C'est le même que l'année dernière. Oui, il est pratique celui-là. Et maintenant, le plus important, le cartable. Le cartable, oui, t'as raison. Très alors important. Là, ça va être toujours un petit peu difficile. Oh, il est sympa le requin. Ouais, sympa. Ça fait très vacances, hein. T'as aussi les Space Invaders. Space Invaders, c'est sympa, mais pas très très original. Planète. C'est beaucoup trop sobre. T'es pas encore ISPAC. T'as pas encore l'âge. Ça, c'est pas mal. Ça, t'aimes bien? Oui, j'aime bien les couleurs un petit peu. Ça fait un peu robotique. Alors, du coup, on souhaiterait voir le cartable qui est tout là-haut pour voir comment il est fait à l'intérieur. Du coup, faut qu'on trouve un vendeur. Bonjour, je suis Néo Vendeur. Bah, tu as trouvé ton job d'été. Voilà. Oui, voilà, c'est bon. Allez hop, prends notre cartable. Très bien, on dit s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur Grand Néo. Non, monsieur Petit Néo. T'es sérieux là? Je suis pas petit, ok? Voici le sac. Voilà. Donc, et maintenant, prends le sac requin. Le requin. Ouais. Non mais t'inquiète, c'est bon, je fais exprès. Tu peux appuyer sur la charnière. Non mais prends une charnière, je vais rapide. Le et sac voilà. Non, c'est pour vous montrer à quel point ce sac est solide. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, monsieur le vendeur, il faut prendre lequel à votre avis? C'est moi le meilleur vendeur, non? Non, on parle du sac. C'est pas toi qu'on veut acheter, c'est le sac. C'est sympa. Alors, comment il est fait celui-là? Bah, il y a une grande poche là et une petite poche devant. Et du coup, à l'intérieur, il n'y a qu'une poche, c'est un peu juste, non? Et là, il y en a 3. Ah, celui-là, il est plus pratique, hein. J'ai peut-être prendre le requin. T'as une grande poche devant, et sympa en plus, hein, très visuel. Là, regarde, t'as une poche ici. Là, tu peux mettre la petite carte à la cantine, tout ça. Un petit rangement là aussi. Et même là, tu peux attacher quelque chose. Oh, il est mieux fichu celui-là. Hein. En plus, il est bien, regarde, t'as des belles bretelles. Regarde, t'as même un soutien là pour le dos. Ah, ouais. On remet l'autre. Ah, attends.
C'est bon, voilà, celui-là c'est remis. Tu vas y rigoler un petit peu, Néo. Néo, c'est super grave, j'ai perdu tous mes objets dans le caddie, je vais devoir recommencer depuis le début. Yes, oh Swan, pauvre Swan. Oh. Non, c'est pas vrai, on a fini. On a fini, là on va peaufiner, regarde, viens voir Swan. Ok, ils vont peaufiner on va peaufiner avec des petits plaisirs, des petites choses sympas, regarde. Genre, des petites gommes originales. Des petits bons gommes pour jeter sur Néo. Regarde Swan. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et regarde, il y a le ballon, là c'est ce que t'as pris. Et là, il y a aussi, hop, ah oui, des cônes. Les petits cônes, c'est marrant. Mais qu'est-ce que vous faites? Dis, je crois que je t'ai pas entendu là quand t'as dit. On va leur mettre des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'il y a, des bâtons dans les roues? Qu'est-ce que tu fais? Y'a un problème, Swan? Qu'est-ce qu'il y a, Swan? Regarde-moi. Regarde, ils nous mettent des trucs qu'on n'a pas pris, oh là là. Oh, il est mignon celui-là. Bon bah d'accord, faut qu'on aille ranger tout ça quoi. Many tic-tacs later. Regarde Swan, c'est bon, on a trouvé le planning. Néo, on en cherche un. Voilà. Regarde, on a trouvé un item bonus, Néo. Du coup, ça veut dire que tu as encore le temps de finir. Salut, let's go, nous on enchaîne. Alors déjà, on met ça dedans. Donc toi c'est fini. Ouais. Yeah. Hey. On a fait bien plus vite que Néo. Un cinquième est deux fois plus organisé qu'un terme derrière. Faudrait noter ça. Tu vas tout finir, je vous rassure, vous inquiétez pas. Ça nous rassure beaucoup. Tu manges quoi? Rien du tout. Tu manges quoi? Mais c'est quoi cette équipe là? Qu'est-ce que tu manges? Une glace. Non mais sérieux. Une glace, c'est une glace. Tu vas trouver où? Bon, Swan, ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là pour ta vidéo chasse aux fournitures scolaires. Okay. Et que tu ailles effectivement prendre un goûter. Ça te va? Voir. Est-ce qu'on a tout pris? Oui. C'est bon? T'es équipé? Ouais. T'es parti pour la cinquième? Oui. Demain la rentrée des classes? Non, heureusement c'est pas demain. T'as encore deux mois de vacances? Ouais. Ah, tout va bien alors. C'est quoi que tu préfères dans tout ce que t'as pris? Peut-être l'agenda Swan et Néo. Ah oui, je veux ça forcément. Mais à part l'agenda Swan et Néo. À part ça, j'adore ce stylo rose. Non, le sac est quand même cool. Ah, et le stylo qui est encore tombé. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas. Et le sac requin. Sympa, hein. Ouais, très sympa, j'avoue. C'est bon pour toi? Ouais, voilà. Et bien, on espère que cette vidéo chasse aux fournitures scolaires vous aura plu. Pensez aux pouces bleus et surtout, abonnez-vous. Vous pouvez faire de gros bisous, on vous adore. Bye bye tout le monde, bye bye. Bye bye, plein de bisous, bonne chasse aux fournitures scolaires à vous aussi. Et voilà. Et bonne chance pour la rentrée des classes. Hein. Et surtout, beaucoup, beaucoup de courage. Bah, bonnes vacances d'abord. Hein. Voilà, pas tout de suite la rentrée aussi. Des classes, hein. Pas tout de suite. Bonnes vacances d'abord. Bisous.